Neige et verglas, que fait le département? Quand il neige dans l'Hérault, les équipes du département sont mobilisées pour dégager les chaussées. Les axes principaux sont traités en premier par 330 agents répartis sur tout le territoire. Un ordre de priorité est mis en place selon les axes. Pendant la période hivernale, entre le 15 novembre et le 15 mars, les agents des 26 centres d'exploitation sont d'astreinte. 63 camions sillonnent les routes départementales pour intervenir. Bon à savoir, le sel déposé sur les routes n'agit pas immédiatement et, en dessous de moins 6 degrés, il n'est plus efficace. Les automobilistes amenés à se déplacer lors d'un épisode neigeux sont invités à consulter le site InfoRoute 34 sur le web et à privilégier les grands axes. Une seule voiture en travers peut bloquer l'accès des véhicules de salage et de déneigement. Alors, soyez prudents et limitez vos déplacements quand la neige se met à tomber.